What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises early in the morning. Non, non, mais tu t'appelles Emily, t'as une barbe, t'as une voix d'homme. Qui? Le vendeur de bêtes. Attends, je vais voir. Mais what? Il est là? Attends, quand je vois. Fais danser, il s'envole vers l'infini à l'arrière. Ah, il reste sur place. Il est où? Il va revenir. Trop bien! Je me fais inspirer, il va me sucer. Au secours, j'entends plus rien, il crie trop fort, il s'inquiète. Ils veulent me sucer, mon suc. Mon suc. Non, pas, c'est mon suc. C'est mon suc. Je me fais inspirer, Un autre, Amissée. Ils sont en train de me sucer. Bah c'est pas grave, qu'est-ce que tu veux faire? Amissée. Aide-moi, Mdibéry. C'est moi. Je te vois là-bas. Ah oh, il fait quoi? Il va être... Qu'est-ce qu'il a fait? Le mégaloto, il va te passer à travers le... Il va te faire un saut au-dessus du bateau. Oh oui. Nice. Oh, c'est con ça. Un 90 degrés vers un rocher en plus. Oh là là. En plus la manœuvre bien chiante qu'on doit refaire du coup pour passer l'arche et tout le bordel. Merci Mégali. Et si on l'abandonne sur une île, on fait quoi? Il reviendra. Il repart sur le bateau. Vu qu'il n'y a pas de point d'accroche sur les îles, bah, il reste pas définitivement sur l'île. Et même si tu l'abandonnes dans l'eau? Dans l'eau, il repart sur le bateau direct. Ah. Pourquoi tu penses? Qu'est-ce que tu veux faire à mon animal là? Parce qu'en fait, j'ai voulu faire un truc avec Jack, mais elle a disparu. Ah d'accord. Super. Ça explique tout. Je voulais pas l'avouer en fait. Non. Dis, si on trouve un livre de merde, est-ce qu'on peut dire que c'est un contexte? Sérieux là? Mais non. Mais ta gueule! Ta gueule! Voilà. Putain, mais comment je fais ça? J'en sais rien. C'est magique, hein. Comment est-ce qu'on dit une sirène, mec? Triton. Ouais, mais je suis pas fan de cette truc. Je préfère la version MV, un sirois. En fait, j'imagine un peu un triton, genre c'est un Cerbère avec trois têtes de thon, tu vois. Voilà. Ah non! L'image horrible en tête, là, maintenant. Ça ressemble à rien. Bon bah, je sens que Kevlar va devoir faire un montage paint avec le ton collé sur la Cerbère. Mais quel connard, quoi. Je vais illustrer ce moment sur le best-of. GG. Oh putain. J'ai tué un autre sur l'île. Mets l'encre, pas enfin, mets, remonte la voile. Oh putain. Il était dedans. Tu mets l'encre. Bah il était au-dessus, je sais pas. Mais non, au-dessus il était pas. L'encre, la voile. Il était pas au-dessus, c'est sûr. T'inquiète. Oh putain de merde. Au-dessus il était pas, c'est sûr, je viens de regarder. J'essayais de la voir depuis tantôt. Ouais non, il l'avait mis en bas, sous près de la table, comme des connards, il y a tout le loot là. Bien rangé et tout. Je les ai déglingués. Ah il coule, il coule. Ah oui non, bah le plafond, s'ils ont pas survécu, c'est instant. Je t'emmerde. Hein? Il a fait quoi? Rien. Ah. Voilà, je ne prends du plus, c'est fini. Attends, parce que là, il y a Yuki qui est perché, il y a Anno qui est perché. Franchement, fuck quoi. Ouais, mais là, du coup, je me sens vraiment en mode Mad Max Fury Road avec mes esclaves sur le capot là. Attends. Shiny and Chrome! Phew. Il s'est accroché à l'échelle. Le requin? Oui. What the fuck? What the fuck? Admire-moi ce magnifique chibre. Alors. Quand même chelou, hein. Si vous n'étiez pas sur Sea of Thieves, je me poserais des questions. Bah, ça va encore.
Ah oui, sur... ah oui, ça d'accord. Ça va encore. Ah, vas-y. Je l'avais pas vu. Vas-y, vas-y. Il s'accroupit dessus. Oh. Tu as un truc. Je suis pas sûr que je vais avoir ces images-là en tête, tu sais. Je pourrais me faire ban pour ça, quoi, limite. On prend une sirène, on reprend le bateau qui est juste là. S'il a pas coulé, techniquement, on n'est pas très loin. Paf, tac, on prend les machins. Paf, livraison, 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 livraison. Le type, il s'arrête. Ah, qu'est-ce que... ah non, il va rien, tout. Rien, rien, rien. J'arrive. Ça va. Plus taper dans le bateau ici sans se faire engueuler par l'oiseau, quoi. Oh, oh, oh. T'es calme, connard. À droite. T'as, ça tourne trop avec le vent. On va choper, hein. Non, on touche rien du tout, mec. Vas-y, à droite, à droite. Jamais on touche, jamais on touche. Mec. Oh putain! Jamais on touche! Jamais, on est beaucoup trop. Putain, dans le coup, on vient de passer là, on fout le vent, mon gars. Regarde derrière toi, s'il te plaît. Ouais? Ça fait 5 fois que je te dis que c'est celui que je prends premier. Tu m'écoutes pas. Putain! Depuis tantôt, je te dis que c'est celui-là que je prends. Je t'ai vu rejoindre, t'es pas là. Si, si, je suis là. Donc 10. Ok. Bien le bonjour. Willow. Bien le bonjour. On est en 2018 ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non. Mais c'est surtout Noctis quoi qui me choque le plus en moi. Noctis, qu'est-ce qui se passe? Don't you even dare. I see you. Il a buté? Oui. Écoute, rien à foutre. Le mec, il nous regarde avec sa longue vue et puis il dirige vers le truc. Vers le bouclier, vers le... Baril. Le baril, donc... si jamais, si vous voulez, il y a un capucin chargé dans le canon de gauche. Non. J'ai une blague. Tirez le capucin en gage d'amitié. Tu tires le capucin. Ah, il a touché l'arrière du sloop. Bon, on fait quoi? On le retire dessus ou pas? Attendez, je vais leur tirer mon perroquet dessus. Et si jamais ils se sentent agressés, alors que c'est juste un gage de paix, une colombe de la paix, on les tue. Mais tire dessus. Ils te tirent dessus? Ouais. Quelqu'un à la mer chez eux. Quelqu'un à la mer chez eux, je vais chez eux. Mort? Ouais, il arrive. Ok, mort aussi. T'es deux morts? J'ai la barille dans main, j'arrive. Oui. Hey, Purple, il est arrivé ici. C'est quoi ça? Putain! Quel malade! Il me dit rien, il rentre avec son baril, il le pose, il l'allume. Ouais, moi je suis comme ça, monsieur. Putain, il revit d'un coup là. Ouais, ouh. T'as vu? Je crois que c'était un bug, mais. Putain, il tire sur mon oiseau, ce connard! Squelette de mort, il a fait tuer mon oiseau. Ouais. Et lui, il vise dans ta main directement. Et ça marche en plus, là. Bah ouais! Il arrive vraiment pas à te prendre, genre même sans faire exprès, quoi. Ils font la queue avec leurs objets. Client suivant à la caisse 32! J'allais dire, on descend le gros, mais vous risquez de me jeter par-dessus bord, alors... Moi, c'est baril mal. Ah ben voilà. Là, c'est des capitaines. Là, c'est des trucs de l'Athéna. Ah oui, non, c'est vrai, il y a tout le temps une vague dans une île où il y a tous les squelettes mélangés. Et une île avec tous les squelettes baril mal, je crois que c'est. Quoi? Ils sont pas les couilles du bout des canons.
C'est bon. Trop cool. Ah non, ils sont tous morts. Ah, ils sont tous les quatre au même endroit, en fait. Enfin, tous les trois là au même endroit. Oh putain, ouais. Putain, c'est une bonne chose, ça. Trop bien. Oui, oui, Lokna, ouais. Ouais, Lokna. Bravo. Vogel, Vogel, Vogel. Je vous emmerde. J'ai eu du bol. Ouh, les connards. Il est truqué sur le harpon, et pas sur la chaloupe. Ça ressemble à rien. C'est notre Megazord. Ah, trop bien. Mais je sais pas où je vais, du coup. C'est là que je l'attendais, maintenant. Oui, tourne, tourne, tourne. Ah oui, tu vois que là. Oui, je vois l'ombre, je vois R. Tourne, tourne, tourne. C'est bon, gars, là? Ouais. Ah, je vois vaguement quelque chose. Il y a une chaloupe échouée, là. C'est bon. Ok, c'est parti. La violence. Oh, il m'a roulé dessus, je me suis dans le bateau. C'est mes boulins. Putain, la... Putain, regarde ça sur la plage, y'a la... La farandole. Il se ramène, il tire des boulets de canon dessus, il fait de la part de Don Corleone. Les hommes volants. C'est les mêmes. Là, on le recoule alors. Mais vite, votez, bordel de cul! C'est fait. C'est caché, là, vraiment? Oui. Oui. Je veux pas on est derrière le PNJ couché. Je crois qu'on est grillé ou pas? Ça a pas l'air pour le moment. Y'a ton singe, espèce de con! Quel connard! Il a pris ton singe! Je vais me faire voir! Il va venir, du coup, ce qu'il cherche après nous. Putain, Lokna, je te déteste! On est mort. Il y a la sirène en plus, du coup, on est tellement. En vrai, ils sont à poil.